Berge d'assaut à Corbeil-Essonne, une mairie qu'il arrache aux communistes en 1995 après 20 ans de tentatives infructueuses. Cette ville, c'est la seule chose que j'ai conquise tout seul, dira-t-il le jour de son élection. Un défi personnel pour cet homme qui a toujours marché dans les pas de son père, Marcel, fondateur de l'Empire aéronautique. Comme lui, il a été tour à tour industriel, patron de presse et homme politique engagé à droite, soutien de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, puis François Fillon en 2017. Cette même année, il renonce à son siège au Sénat où il avait fait son entrée 13 ans plus tôt. Il avait alors 79 ans. En 2004, Serge Dassault met la main sur le Figaro. Depuis, chaque année, il adresse ses vœux aux lecteurs du journal, une tribune dans laquelle il ne mâche souvent pas ses mots, contre les chômeurs ou les syndicats. Car c'est l'une des particularités de Serge Dassault. Il est adepte du dérapage, comme en témoignent ses propos sur le mariage pour tous. Plus de renouvellement de la population, quoi, ça rime. On voit un pays d'homo, et bien alors, dans 10 ans, un peu personne. Non, c'est stupide. Des saillies qui ne lui ont jamais valu aucun ennui, les vraies difficultés, il les doit à la justice. Cela fait des mois qu'elle le soupçonne d'avoir mis en place un système d'achat de voix pour se faire élire lui et son successeur à Corbeil-Essonnes. Il est mis en examen. La cinquième fortune de France balaie ses accusations d'un revers de main. Tout ce qu'il raconte est contre moi, complètement faux, et qui veulent salir mon honnêteté et ma réputation. Dans une lettre publiée par Le Monde, l'un de ses quatre enfants, Olivier, prend sa défense. Olivier Dassault, député UMP, se voyait comme le mieux placé pour succéder à son père. Mais Serge Dassault en a décidé autrement. C'est l'un de ses proches, Charles Edelstein, qui pilote désormais le groupe aux 18 000 salariés.